Eh oui. Et on pourrait croire que ces morceaux brûleraient en silence, mais non. Ils crépitent comme du sapin. Ça fait chaud au cœur. Ah, Seigneur, c'est dégoûtant. Mais je suis pas une chochotte. J'ai l'habitude de me salir les mains. Boyaux de poisson, accouchement, point de suture, cadavre. Ha, je suis peut-être née pour ça. Non, tu crois pas. Personne n'est fait pour une telle horreur. Sauf peut-être ma vieille Betsy. Je tue, je découpe et je brûle, mais il en vient davantage chaque jour. Et je me fais l'effet de pousser un rocher jusqu'en haut de la montagne. Mais il retombe toujours en bas. C'est quel mythe, déjà? Sisyphe? Ou ça, c'est quand on a les parties génitales qui brûlent? Ma culture, à moi, c'est les séries télé. En tout cas, pas la mythologie grecque. Ma vieille Betsy n'est peut-être pas de taille à saluer tout ce qui frappe à ma porte, mais le plus souvent, elle fait l'affaire. Elle éparpille le sang et les boyaux un peu partout, et j'ai pas le temps de tout ramasser que ça recommence déjà. Il en vient toujours plus. Ça ne s'arrête jamais.